hier, impossible de passer à côté de l'interview de Dominique de Villepin sur France Info, l'homme du non à la guerre en Irak. Alors on peut discuter ses arguments évidemment, mais il critique la politique israélienne en rappelant pourtant la réalité. Le Hamas a agi en mouvement terroriste, la sécurité d'Israël est une préoccupation légitime, la vie des Palestiniens est une donnée non négligeable. Il envisage surtout l'avenir dans cet entretien et rappelle que cette guerre ne peut être pensée sans les erreurs désastreuses commises par le passé, notamment pour ceux que ces guerres prétendaient défendre. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Et c'est précisément parce qu'il est l'homme du non en 2003, le non à la guerre en Irak évidemment, qu'il se permet une telle intervention. En 2001 aussi, les États-Unis étaient légitimement traumatisés. Des années plus tard, ces ripostes ont pourtant l'amer goût de la défaite.